Oui, Virginie, je dois m'absenter une petite heure. Oui, bah, débrouillez-vous, prenez mes rendez-vous. Je te signale qu'il est 16h et que c'est très mauvais de dormir l'après-midi. Ça décale tout le cycle biologique. Non mais attends, écoute, t'es venu pour me dire ça? T'aurais pu appeler quand même. Non parce que je te signale que pour qu'on puisse se voir 3 fois par semaine, moi ça fait 6 mois que je dors avec des électrodes aux pieds, hein, et en écoutant de la musique zen à fond. C'est pas facile et j'ai du sommeil à rattraper là. Écoute, c'est pas le problème. C'est à moi, un whisky. Je vais t'expliquer. Si. Merci. Bon alors. Ton mari sort du cabinet. Quoi? Mais t'es malade, il peut arriver d'un instant à l'autre, faut que tu partes là. Non, t'inquiète pas, je l'ai envoyé passer une radio du nez. Enfin, qu'il ronfle. Bah oui, il ronfle, c'est pas un scoop, hein. Non mais... c'est pas le problème. Je suis sûr qu'il est au courant pour nous deux. Il m'a parlé bizarrement, d'amour, d'épanouissement. Je le sens pas. Alors là, je vais te dire, ça m'étonnerait que Gérard se doute de quoi que ce soit. Tu te fais des idées. Eh, c'est toi qui devrais faire de l'électrodétente, hein? Oh, excuse-moi, mais... je suis nerveux en ce moment. Ma femme mène une vie impossible. Elle a plus confiance en moi. Oh, bah c'est étonnant, ça. Oh, je t'en prie. En plus, le gosse perd toutes ses dents. Bah écoute, c'est normal, c'est un gosse. Ah oui, mais pas un gosse de 12 ans. Ouais. Remarque, excuse-moi, mais vu la tête qu'il a, on comprend pourquoi elle l'a appelé Justin. Hein. Juste un. Une fois, mais pas deux. Ah non, tu vas trop loin. Je te rappelle que c'est un enfant. Arrête, écoute, mais c'est même pas le tien, ce gosse. Oui, mais je l'acceptais quand je l'ai épousé. Il porte mon nom. Ouais, dis plutôt que ce que t'as accepté, c'est l'argent de son père pour ouvrir ton cabinet médical, hein. Sois pas méchante avec moi. Tu vois, en ce moment, ce dont j'ai le plus besoin, c'est d'une femme qui m'ouvre son cœur. Et qui ferme sa gueule? Mais écoute, arrête, je plaisante. Oh là là. Tiens, hé, la preuve que je t'aime, c'est que je t'ai préparé une petite surprise pour demain. Ah oui? Ouais. J'ai acheté 2 places pour la nouvelle pièce d'Arikamachi à Chaillot. Alors, bon écoute, je m'arrangerai. On s'attend devant le théâtre à 20h. Ouais. T'es content? Ben oui, bien sûr. Bon, allez, maintenant tu pars parce que je veux pas te trouver ici, hein. Allez. Au fait, tu pourrais pas me prêter un peu d'argent parce que Gérard a une dette envers ma mère et je lui ai promis de lui faire un chèque demain. Mais c'est juste pour 1 mois, hein. Mais t'es gonflée de me demander ça. Mais ben et toi, t'es pas gonflée de me faire payer mes consultations, peut-être? Écoute, je t'ai déjà dit, hein, il faut pas tout confondre. Il y a l'amour et le travail. Bon, bah ben alors c'est non. Alors c'est oui. Super. Bon, allez, maintenant file, je veux pas qu'il te voie ici. Et puis t'inquiète pas, pense à demain, hein?